voulez, en reculant ou sur place. Dans un premier temps, l'introduction. J'adore les introductions dans les musiques, donc c'est simple, vous allez marcher en tapant les mains au-dessus du visage. C'est important quand vous êtes au carnaval, en show, de taper au-dessus du visage. Parce que quand je fais ça, photo, c'est qui? On ne le sait pas. Ça, écrasement de la poitrine. D'accord? Donc là, ça lève la poitrine, regardez. Et on tape au-dessus du visage. On est bon. On fait l'intro, on tape des mains en marchant. 8 pas de samba. Je fais que des phrases de 8. Je démarre toujours le pied droit derrière, main gauche en l'air. Toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rappelez-vous, en 8 temps, il y a 3 pas dans un temps. 8 fois 3 32. Ensuite, on va se déplacer. J'appelle ça le pas clo-clo. Comme ça, ça vous fait du facile. 1 et 2. Les sirènes du port d'Alexandrie. Voilà. Vous faites la même chose sur ce pas-là, facile. C'est ce que j'appelle un pas de parade, ok? Quand vous n'avez plus d'idées vraiment, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant la parade, pendant que vous défilez, et faire coucou en même temps au public, c'est top ce pas-là, d'accord? Ça, on garde la pêche et on continue à faire coucou en même temps. 8 pas aussi. On recommence. 2 phrases pareilles. Je recommence au début. 5, 6, 7, tapez. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 encore. Et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 samba. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Clo-clo. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 samba. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 clo-clo. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Est-ce que ça va? J'ai fait vite, mais par contre, la samba, n'oubliez pas, vous pouvez le faire en reculant. Je l'ai fait sur place pour que vous me voyez, mais bien sûr, à la maison, vous pouvez le faire en reculant. Ce pas-là, vous pouvez vous en servir pour réavancer. 1 et 2, 3 et 4, d'accord? Comme ça, vous réavancez, vous reculez, 5, 6, 7, 8, et vous réavancez tranquillement sur le pas clo-clo, ok? Ensuite, on va tourner. Donc, j'appelle ça le florej ou volare. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Ça, c'est pour les filles, d'accord? Ça, c'est pour les filles. On est glamour, vous voyez? Les bras et les hanches bougent en même temps. On a le pied devant, ok? On tourne tranquillement. Si vous voulez rajouter le côté femme fatale, on rapproche le menton de l'épaule. Ah, yeah! Pour les garçons, on y va sexy. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. On a toujours en tête le Brésilien sexy sur la plage avec les pecs de ouf et tout. Eh ben les gars, ce mec est en vous. D'accord? Donc on y va. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Prenez le temps de tourner le bassin sans tourner le corps. Uniquement le bassin. Bassin, bassin. Bassin, on appelle ça le rebola, rebola, ya, 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 ça c'est sexy, pour les filles, avec les bras, et un pied devant, d'accord, un pied devant, regardez, c'est sexy, on ne voit pas le minou, d'accord, pour les garçons, on s'en fiche, ensuite on va balancer, très simple, balance à droite, balance à droite, balance à droite, balance à droite. Vous êtes au concert de Beyoncé, vous kiffez votre as. Balance à droite, balance à droite, balance à droite, balance à droite. Facile, deuxième phrase, même chose. Tourne, tourne et balance, et balance, et balance, et balance, et balance. Ça va? On essaie tout ça avec la musique, direct. Après, il nous reste 5 minutes pour terminer la chorégraphie. On a déjà fait tout le couplet. Il manque plus que le refrain et après on la répète plusieurs fois. Et comme ça, vous aurez appris une chorégraphie entière en samba, en moins d'une heure. En moins de 5 minutes. Allez, c'est parti, on y va. On commence à taper des mains. Et... Oh,
vous avez reconnu la musique. Oui, donc vous la retrouvez sur YouTube, c'est Rihanna version samba. Donc une version un peu samba reggae que j'aime beaucoup, elle chante avec Timbalada qui est justement percussion brésilienne, un groupe brésilien, donc c'est vraiment génial. On va faire le refrain et ensuite on va la faire entièrement, d'accord? Comme ça c'est terminé, vous aurez appris à samba aujourd'hui et faire une jolie petite chorégraphie. On va tourner sur le côté en ouvrant les bras. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. 3 tours et vous tapez des mains à la fin de votre tour. Ensuite, vous allez faire oh, oh, bah, bah. Oh, oh, bah, bah. Oh, oh, bah, bah. Je marche simple, d'accord? Je fais quelque chose de simple. Juste vous avancez, vous reculez. Avance, avance, recule, recule. Avance, avance, recule, recule. Si vous n'êtes pas assiste, n'oubliez pas de bien lever le menton, gainer les abdos. Ok, si vous avez l'habitude de danser la samba, n'oubliez pas les filles. J'aime pas que le ventre se plie. Donc quand vous reculez, vous ne baissez pas le dos. Ok? On oublie l'énergie afro un peu sur ce pas-là. On garde le dos droit. Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Deuxième, on tourne. Tourne, 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 stop. La deuxième fois, on tourne deux fois. Haut, haut, bas, bas. Et on change. On va se mettre sur le côté. Je commence pour les filles. Cache-minou. La jambe qui est devant le public, c'est le cache-minou. Si vous dansez comme ça, c'est pas joli. D'accord? Donc, on va mettre la jambe qui est devant. Lent. Vite, vite, lent. Baisse, baisse, monte. Baisse, baisse, monte. On va la faire trois fois. 5, 6, 7, et. Une fois, et. Deux fois, et. Trois fois, et. Pour les garçons. Lent, vite, vite, poitrine. Vite, vite, poitrine. Vite, vite. Ça va? Alors, la jambe d'ailleurs pour les garçons, c'est pas forcément cache-minou. Ça peut être normal, genre lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite. La samba, c'est sexy, hein, cherchez pas. Ok, donc on a fait ce mouvement trois fois et après on fait oh, oh, bah, bah. Donc on revient de face. Oh, oh, bah, bah. Lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite, oh, oh, bah, bah. La chorégraphie est terminée, on a fait le refrain. Donc après ça s'enchaîne, couplet, refrain, samba, d'accord? Je répète, intro. Samba, tikataki, takati, 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 clo-clo, tikati, 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 tikati. Deuxième phrase, pareil, tournez, tourne, 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 balance. Balance, 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 balance. Une deuxième fois. Tourne, 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 tourne. Balance, 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 balance. Ok, je le fais rapidement. Refrain. Tourne, tourne, tourne. Aha. Tourne, tourne, tourne. Aha. Tourne, tourne, tourne. Aha. Oh, oh, bas, bas. Oh, oh, bas, bas. Je vous fais un petit rappel. Hein. Ça va vite, mais je fais juste un petit rappel. Vous allez voir, la musique, ça va plus lentement. On fait la même chose. Tourne, tourne, tourne. Tourne, tourne, tourne. Stop. Oh, oh, bas, bas. Dernier. Vite, vite, lent. Alors, la main qui est là, pour choisir. Soit je la mets avec. D'accord? Vous bougez avec l'autre main. Soit vous la mettez sur la hanche. Pour les filles. D'accord? Pour les garçons, on laisse les bras en bas. Lent, vite, vite, lent. Ok? Et la fin, oh, oh, bas, bas. Samba. Je vous mets la musique, ça va être plus simple. De danser avec le son, vous verrez. Je vais la faire deux fois. La première fois, je vais parler en même temps, d'accord? Pour vous, comment dire? Pour vous annoncer les pas, d'accord? Vous annoncer les pas qui arrivent. Et la deuxième fois, on la fait sans rien dire, d'accord? Comme ça, ça vous permet aussi d'écouter le son et de vous réentraîner sur le replay. C'est parti, on y va. Tapez des mains. Oh,
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.